Nouvelle semaine, c'est toujours même aventure là, millénial qui entre la caillou. Merci parce que toujours été fidèle à nous. Merci parce que toujours été fidèle à Télé Pacifique, la télé innovante qui portait pour l'émission de prédilection des jeunes. C'est toujours un plaisir pour moi ensemble avec co-présentateur Moyo. Moi je dis à même sourire pas sourire, par contre ça passe. Ça passe hein? Semaine n'a pas de bien pour nous? Hein? Fatigué mais quand nous connaissons depuis nous dans millénial, pas une question fatigué. On est d'accord? Hein? Yes. On est jeune. On est jeunes. Merci. Déjà, merci à vous-même qui avez regardé nous, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien encore devant l'écran. Merci à tous les techniciens qui sont toujours fidèles avec nous, parce que moi, toujours dis nous ça. Sans eux, pas de millénials qui arrivent à joindre nous. En tout cas, nous allons faire un bon petit palais aujourd'hui avec moi-même, Dile, et toujours dit, l'autre potorique garçon, notre toute potorique garçon que nous recevons dans millénial pour nous parler de belles petites causes ensemble qui concernent les jeunes. Qui est capable d'aider les jeunes. Alors, nous allons prendre pause là et puis, n'a pas tout. Vous êtes jeune, vous voulez vous impliquer? Millénial, magazine socioculturel, vous en donne l'opportunité. Bien, nous retournons après pause là pour nous aller parler. Quoi? Qui rubrique? Découverte de mots. Nous songeons que moi, j'ai commencé avec une série qui c'est phobies les plus étranges. Eh bien, on a continué. Je dis à porter deux autres phobies pour nous encore qui vraiment étranges. J'aimerais me faire. M'a dit nous, non phobie un. Et puis nous allons essayer ouais qui s'allie, qui peur liée. Vous êtes là? Nous prêts? Bien. La première phobie c'est la géniophobie. Géniophobie. Ça vous est qui ça bon comme image? Qui peur nous penser ça y est? Pour une bonne ou un petit poule? Ok, un petit poule. Nous toutes la gagne net. Géniophobie. Nous toutes la gagne. Chaque monde la gagne. Ou à moins que vous avez des formations de pour faire tout fait avec elle. La géniophobie. Hein? Non. So, on l'a petit poule avant Bali, son parti dans corps nous lié. Non, pas du tout. Merci avec peur d'intimité ou non, pas du tout. Eh bien, la géniophobie, c'est la peur des mentons. Non, c'est très étrange, hein. Donc son ou presque pas qu'à éviter le tout. On est d'accord. Nous toute la gamme menton, ça nous est les babines en créole là, hein, Benny. Donc il y a des monde qui peur menton. Donc par contre on monte à faire vivre en tout cas, mais comme nous connaissons phobie, c'est une peur qui est irrationnelle, qui est incontrôlable, ou pas qu'à expliquer pour qui ça gagne. Eh bien oui, la géniophobie c'est la peur des mentons, ça s'écrit G E N I O P H O B I E. Deuxième phobie. Vous êtes là? Bien. La deuxième phobie, c'est l'omphalophobie. Encore une autre partie du corps. Invitez à parler de nous, ou trop fort, ou parler de nous. On y va. Bon, on va m'appeler pour nous. O-M-P-H-A-L-O-P-H-O-B-I-E. Nous, bon, quoi? Mais non, mais pourquoi pas bon ici, là, papa? Eh bien, c'est la peur des nombrils. Il y a un monde qui peur l'ombrite. Son monde, il presque pas retirer à Zouli, il pas aller côté monde tout ou ni, tant qu'on a piscine, dans douche publique, yo, ou bien si on jeune demoiselle envie prend vent, la marche de yo, aller gen vent li à l'air, monde ça contre ensemble avoir ses problèmes. Que ce soit pour menton, hein, que ce soit pour nombril là, il y a des problèmes de coup. Les moun li anxieux, li fait moun pas respirer bien, qu'elle a bat plus fort, li fait bouche li sec. Donc c'est des symptômes que ça baille et deux peurs ça yo capable résoudre par psychothérapie. Donc oui, j'aime ce dit là, c'est des phobies très étranges. Alors, merci parce que tu permets moi enrichir vocabulaire. Vous êtes jeune, vous voulez vous impliquer? Millénial, magazine socioculturel, vous en donne l'opportunité. Nous sommes parlé de phobie
Et nous allons parler de en peur qui gagne, mais qui pas en phobie en réalité. Jean nous connaît le sujet assez pour qui ça gêne yo, peur impliquer yo, peur lancer yo, non politique en Haïti. Nous allons parler Jean se dit là avec un potori garçon, gros tonton garçon, pas encore, ok? Qui pral parler ensemble avec nous, j'aimerais me faire, il va expliquer nous un peu de lui-même, qui j'en relé, qui ça le fait dans la société, et puis ensemble nous parlons pour qui ça jeune, il doit impliquer dans la politique, comment peut ça côté lui sortir, il va venir avec un paquet de conseils pour nous tous, parler ensemble avec jeune, ça au Kishitala, ou même tout jeune qui a regardé nous, la caillou. Donc, m'a demandé pour nous applaudir, s'il vous plaît, monsieur Rudy Stanley Penn. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur, dis-lui, monsieur, tous sont gros tonton garçon. Donc, on parle, faut-il parler avec Jeunio. C'est vrai que au passé de présentation, mais il y en a qui manquent de comprendre qui ça va faire dans la société. Hein? Oui, ou sont politologues. Donc, on parle, essayer d'expliquer en gros qui ça travaille et qui ça mène à cela. Comme on dit dans le commencement, moi, c'est un politologue. Métier, c'est politique. Moi, étudier toute étude que me fait c'est politique. Premier degré, c'est dans sciences politiques et deuxième degré, c'est dans question élection. Donc, moi, spécialisé dans élection, administrer élection, et développer politique électorale. Moi, tout, c'est un entrepreneur, mais un entrepreneur est différent de entrepreneuriat dans le sens traditionnel. Moi, dans consultation. Mais on a l'autre type de consultation qui que y a pas vraiment été développé avant en Haïti surtout. Moi, j'ai une consultation politique. Moi, j'ai une entreprise qui est spécialisée dans accompagner acteurs politiques, tant national qu'international. C'est Politicotech. Yeah. Et puis, moi, c'est un monde qui croit dans l'éducation politique. Moi, je crois que c'est dans améliorer la compréhension monde de ça qui est les politiques. Que nous sommes capables de gagner une autre société et une plus bonne participation de citoyens dans la vie politique pays. C'est ça qui fait moi contribuer, dans faire des conférences, dans participer dans émissions, mais particulièrement à travers une rubrique que j'ai gagné avec une collaboration dans une radio dans le pays qui est la Politoscopie. Et qui est disponible tout en ligne. Hein? Ça veut dire que vous pouvez aussi chercher en ligne et vous éduquer. Pourquoi le chercher, vous éduquer politiquement. Bien, avant même de rentrer dans le sujet, nous, qui regarde Stanley Gagnon sous jeunesse-là face à la situation dégradante que nous fait face aujourd'hui? Situation dégradante, il est vrai, et on peut pas fuir cette réalité. On est en plein là-dedans. Okay? Nous vivons dans un pays, effectivement, qui a traversé un moment qui est très difficile. Et avec une population qui tantôt en vérité, tantôt a cherché moyen pour l'aller, et une population tout qui est même première occasion qui t'a pointé à libre aller. Mais il y a des gens tout qui décidément veulent rester pour changer la réalité. Donc, ou y a une jeunesse qui, par rapport à la réalité, n'a pas vivre là, qui a oscillé entre toutes et différentes catégories ça que moi saute banou là. Ouais, donc son jeunesse qui a gardé pays a ou une portion là dedans qui a impliqué ou qui voulait changer ça, une portion qui découragé qui voulait aller, une portion c'est opportunité pour rejoindre pour aller. Mais et comme cela a toujours été le cas dans l'histoire de ce pays, il y a aussi et Selim te dit avant, une jeunesse qui a bataille qui croit que si on changement pour porter faut la donne parce que recherche moi parce que j'ai produit un livre sur ça en 2014 montrer que tout grand moment que Haïti connaît dans histoire politique li, participation jeune yo toujours crucial la donne ou toujours joindre jeune yo quand c'est pas jeune yo qui porter les meilleurs moments d'espoir de ce pays les jeunes sont toujours partie prenante. Donc, ça veut dire que tu es toujours connu de participation jeune dans la politique en Haïti. Ah oui, depuis oui, l'indépendance. Ok, je suis d'accord, mais là, on entend une phrase qui dit politique Haïti a besoin sans neuf, il a besoin de jeunes. Est-ce que ça ne peut pas sous-entendre?
quelque part, il y a tout sens, cette réalité. Parce qu'en fait, cette participation des jeunes dans la vie politique du pays, il y a une forme que le prend. Forme que le prend, c'est que quand on veut renverser l'ordre des choses, on a besoin d'eux. Parce qu'ils ont toujours constitué majorité sociétaire. Ouais. Donc, on a besoin d'eux comme bras. On a besoin d'eux pour constituer la force de changement. Mais quand on arrive à la phase où il faut diriger, où il faut implémenter ce changement que l'on désire, maintenant, on dit que vous n'avez pas assez d'expérience, vous êtes trop jeune, etc. Donc, tu étais capable pour faire un bon bagaille et pour changer, bah, elle mérite de changer, mais quand il faut organiser, gérer, on estime que tu es trop jeune. C'est comme quand on dit, à 18 ans, tu peux voter. Oui, ça veut dire qu'il y a fort confiance pour choisir le meilleur monde qui pour diriger, mais il n'y a pas fort confiance donc pour diriger. Donc, c'est une tradition sociologique, alors? Oui, parce que le monde même, il chita traditionnellement sous des comportements qui font que gen de bagay, yo ba ou accès avec yo au fur et à mesure. C'est comme si yo presque intériorisé ou li. Faut comprendre que c'est normal. Ouais. Yo faut comprendre que gon le ou ka député, mon poko ka sénateur. Sénateur. Ouais. Gon le ou ka ministre, mon poko ka président. Président. Ouais. Donc, moi-même, moi fais partie de monde qui croit que nos droits, s'il faut les jouir, il faut les jouir totalement. C'est ça que Femme t'a écrit en pamphlet en 2013 qui s'est aligné l'âge de l'éligibilité à l'âge de la majorité. OK. Yeah. Mais maintenant, si on a dit que sociologiquement, si on a regardé l'histoire sociologique politique haïtienne, on dit que tu es toujours un jeune qui est impliqué dans la bataille pour la société. Maintenant, on a regardé, bon, c'est vrai que ce n'est pas seulement Haïti. Son bagay qui mondial. Jeune yo, même à aller voter, yo désintéressé. Donc maintenant, qui c'est un devoir civique? Est-ce qu'en Haïti, parce que moi, plusieurs jeunes, moi, côtoyer, dire, ah, moi-même, pas dans bagay, à voter. Ou bien même, soit à voter, yo, gèdre kon ki, est-ce qu'il y a bon? Ok? Ou bien, chaque monde sa fait, yo, a réglé. Ou bien, pas gè moun pam là. Donc, est-ce que c'est un problème d'éducation civique ou bien c'est un problème de manque de confiance par rapport avec moun yo proposé yo? Donc, comment capable expliquer l'axisme qui gagne beaucoup de jeunes yo pour faire de voir ça? Toute réponse, tout ça essaye d'avancer yo, c'est ça. Ça veut dire que généralement c'est ça, parce que éducation moun yo pas fait, yo pas éduqué pour approprier de la chose politique. Et puis, bon, tout problème que la société a connu. Mais bien plus que ça, moi-même, je résume en une autre façon. Moi-même, moi généralement pas dit que les jeunes ne sont pas intéressés à la politique. Je dis que les jeunes ne sont pas intéressés à une forme particulière de politique. OK? Ces mêmes gens, tu as gagné deux mondes qui sont là. Ou, c'est deux mondes. Ou qu'a choisi qui est ou aimer, qui est ou voulez vivre avec elle. Ça, c'est choix pas, en fonction de critères pour. Si on pas choisi, c'est parce qu'on pas voulu, c'est parce qu'elle pas répond à critères pour. C'est pas l'amour pas gagné dedans. Jeune, yo, c'est pas politique qu'on pas aimé. C'est pas politique qu'on pas voulu faire. C'est forme politique que yo offri yo a que yo pas aimé. Mais si yo offri yo un bon politique, il a participé, il a présent. Donc, même gens de l'autre côté, gagne élection, leur offre yo pas correspond à ça yo même comme génération yo gagne comme demande. Yo pas acheté. Même gens en Haïti tout, leur offre politique là, li pas correspond à demande citoyen yo. Yo pas al voter, yo pas participer. C'est pas politique yo pas aimé. C'est moun k'ap fait politique yo ou bien forme politique k'ap fait là que yo pas aimé. Si nous fait on l'autre politique, n'a pas saisi ouais. Donc vous pensez que dans domaine ça participer. Manque d'opportunité, pour ne pas dire absence d'opportunité que les jeunes en Haïti, capable d'un déterminant qui montrait des intérêts ça? Oui, oui. On nous parlait d'échec, par exemple. Échec élite politique. Yo, okay? Parce que si l'on fait l'histoire politique de ce pays, on a pourrait que l'histoire politique pays est caractérisée par des crises.
on a connu rarement des moments de stabilité, de paix, politique. Signe-nous, de 1804 à nos jours, Haïti connaît presque une trentaine de gouvernements provisoires. Alors que si vous faites l'histoire des États-Unis, c'est une récurrence de stabilité. À chaque fois que qu'on connaît des moments de troubles, des moments difficiles, les élites politiques, ils chita ensemble, ils posent des problèmes là, et puis ils verrouillent les problèmes ça une fois pour toutes. Ils ne pas rencontrer encore, parce que ils savent que ils doivent s'unir pour avancer plutôt que se désunir pour que ils déconstruisent tête. Parce que ils connaissent que ces visions communes qui peuvent faire, ils ont idéal, et c'est ce qui manque. On est divisé. Maintenant, face à cette division, ou gagner des élites, des dirigeants qui pas arrivé qu'à fédérer moun yo, qu'à faire quoi non rêve haïtien, qu'à faire quoi que bon pays gagne un avenir pour nous construire ensemble. La difficile pour que jeunes yo participer dans dynamique ça, c'est ça qui fait bon responsabilité, son responsabilité d'élite. Il faut s'efforcer à faire la politique autrement. Mais cette politique autrement, c'est la bonne politique. Politique de service. Politique qui n'a pas besoin. Politique qui n'a pas dans le coup d'État. Politique qui veut créer l'école pour que les gens aillent. Politique qui a fait l'hôpital. Politique qui a fait route. Politique qui a créé l'université. Politique qui a fait les gens manger. Politique qui a pensé l'avenir. Politique qui a construit un haïtien qui a répondu à des défis que le monde a rencontré. Parce que dans le monde aujourd'hui, les sociétés, parce qu'on est au monde global, société où il y a produit citoyen pour le monde, ou même ou pas qu'à continuer à produire citoyen pour quartier Bolakayo. Justement. Donc ça veut dire que faut que nous gagnions des leaders qui arrivent à projeter une vision de grandeur de pays qui pour faire génération qui a monté au coin dans l'autre Haïti à travers de l'autre politique qui a exercé. Le ça. Politique a fait en l'autre genre et le ça a mon après même politique. Mais oui, on s'est fait en comparaison. La maman de tête, est-ce que nous avons fait une grosse comparaison comme ça pour se parler d'Haïti et pour prendre exemple, États-Unis par exemple, pour montrer comment est-ce que politique fait la caillou qui s'est opprimé eux-mêmes. Mais nous-mêmes, on va parler de union, mais nous-mêmes, on pense que celle de l'union, c'était pour nous sortir dans l'esclavage. À partir de là, même fondement nation en soi, c'était division. Donc maintenant, qui sont pensés qui pas fait? Qui fait ne pas arriver dans ça on parler là aujourd'hui qui fait même problème ça c'est comme si ou t'as un problème dans hier ou gagne aujourd'hui ou pas gagne demain après demain même bagarre donc qui ça qui pas fait à la base. À la base le problème il est éducationnel. Le citoyen est une construction. Mounouye a son construction que lié son bagarre que yo façonné. Yo façonné à travers un outil particulier qui relait l'école. Mais il n'y a pas seuls outils, il y a de l'autre entité qui participait dans la construction. Mais maintenant, si ou pas construit un modèle de citoyen qui peut croire dans le pays, qui peut croire dans le progrès, qui peut croire dans l'unité, dans l'union, ou pas capable de pousser ça, lui retransmettre comme valeur ou pas de balil. Ouais, parce que ce bail-là, c'est ça qui peut retourner, venir joindre. L'autre société, le modèle de citoyen que nous avons, par exemple, sous nos airports, ou un petit monde, le premier monde qui paraît sous lui dit waouh, regarde Jean le Bel. C'est parce que vous apprenez, vous appréciez, vous spontané la caillou. Donc ça veut dire que son éducation, il faut apprendre à l'haïtien à s'aimer. Il faut apprendre à l'haïtien à aimer l'autre, à voir l'autre comme un prolongement de lui-même. Parce que sans ne pas rendre nous compte, nous gagnons un modèle de citoyen que nous construisons pendant deux siècles qui sont citoyens qui parlaient l'autre qui en face d'y a, qui sont citoyens qui vénéraient, adulaient ça qui est étranger. Donc c'est construit pour nous construire l'union ça que nous besoin. Gagner Albert Memmi, c'est un livre que m'a encourager nous si nous t'as saut tombé sous lit pour nous lire et téléspectateurs mais qui pour chercher pas besoin saut tombé sous lit et pour chercher justement et c'est un livre d'Albert Memmi qui c'est le portrait du colonisé
Et puis, je vais inviter nous tous à lire, à écouter en musique de Beaubrun. Et Beaubrun, c'est un frère Beaubrun, petit Banabé. Ce n'est pas Banabé, nous connaissons, qui est très populaire, qui fait carnaval. Là, c'est l'autre frère. Il y a une musique qui est édiquée, qui est presque calquée en partie dans le livre Albert Mémian. Eh bien, monsieur, essaie d'expliquer dans l'éducation que nous gagnons. Hein? Si on demande un haïtien côté Vatican, il rapidement l'a dit. Si on demande un haïtien côté tel gros stadier, rapidement l'a dit. Si on demande n'importe gros question qui sous le yo, il connaît. Mais si on demande le côté Bois Caïman, il pas connaît. Si on demande le côté la Côte Saint-Jean, il pas connaît. Donc, yo pas apprendre nous connaître tête nous. Faut que nous apprenions connait tête nous pour nous remettre tête nous. Et pour ban nous transmettre nous des valeurs qui pour faire nous aimer vivre ensemble. Parce que pas qu'à gagner l'union, pas qu'à gagner stabilité si nous pas comprendre nécessité pour nous vivre ensemble. Ensemble. Oui, je suis d'accord. Parce que c'est ensemble n'a pas construit demain. Moi même généralement moi toujours dit principale valeur à travers toute recherche que me fait qui fondamentale dans la démocratie c'est pas bon élément pour nous joindre, pour nous avancer forcément. Mais c'est l'élément que nous arrivons à joindre plus gros entente sous l'IA. Donc, graduellement, tant que nous comprenons, nous avons peut-être fait plus bon choix. Mais au départ, c'est pourquoi plus bon choix. C'est choix que nous, tout plus fort, nous joindre entente sous l'IA. Et puis au fur et à mesure, n'a pas éduqué, il y a des valeurs qui ont intériorisé, n'a pas gain intérêt. Et intérêt, ça a fait que nous pas craser ça que nous construit déjà, mais n'a pas mettre sous lit. Parce qu'en Haïti, on aime beau détruire. Oui, on aime beau détruire. On détruit tellement que nous presque pas gagné encore pour nous craser. Bien. Mais maintenant, quel autre aspect dans des intérêts jeunes pour lancer dans la politique? Là, on a parlé de peur. Là. Si on prend des faits historiques, par exemple, il y a Louis Douin, on a changé, Marcel Numa, qui c'est des jeunes qui prennent l'initiative pour prendre des armes contre Duvalier, tout ça. Quand on a parlé de questions, il y a des qui pour changer, il faut faire des révolutions, tout ça. Jeunes, ça y est, ils ont été arrêtés, jugés, fusillés, etc. Est-ce que faits historiques, ça y est, pas quitter des séquelles pour nous-mêmes jeunes jodiens qui pour bon nous ont peur nous-mêmes tout pour nous mettre mes gens abdien de manière concrète dans la révolution ça n'a pas l'air pour capable changer façon nous faire politique façon pays à supposé avancer nous fait un pile mauvais expérience je ne crois pas que j'ai ce droit de juger monde qui était là en vain mieux action que opposé parce que nous pas on est ça yo t'a vive. Donc moi excusez-moi si gen moun k'ap gade ki t'a fâché de ça que m'pral di. Mais c'est compréhension et je partage. Nous fait un pile expérience voyer aller, craser, briser. Nous connaît toute forme de gouvernement, dictature, etc., démocratie. Mais Haïti son éternelle révolution. Révolution, pas dans le sens politique, sociologique du terme, c'est dans l'autre sens, étymologique. C'est dans le sens que nous faisons gros virer, mais pour retourner même côté. Même côté. Il faut avoir cette conscience pour que nous connaissions, à un moment de la durée, il y a un monde qui a dirigé. Oui, nous voulons aller, mais comment pour l'aller? En 86, nous voyons le régime Duvalier aller. Mais Michel Wolfe Trouillot montre la racine dictature est plus loin que le régime c'est ça, Duvalier. Justement. Mais il n'y a pas de réfléchir sur ça, élite qui t'a fait ça. Au contraire, nous venons avec un pseudo-régime démocratique, dit entre guillemets. Mais en réalité, qui ça le bail? Il bail des dictateurs qui cachaient derrière des outils politiques. Beaucoup plus éclairé. Qui capables des partis politiques que n'ont pas jamais voulu sortir dans la tête. Mm-hmm. Ou bien de dirigeants politiques qui, même le yal nan élection pour prendre pouvoir, mais y a goumé pour Kembel, ou bien de l'autre monde, même le yal conscient que yon perdu l'élection, mais comme yon dehors, yon pas d'accord pour yon dehors, yon plutôt crasé pour yon joindre une fenêtre quand même pour yon rentrer.
C'est pourquoi il faut vraiment revoir est-ce que c'est voué à aller. Parce qu'on saute, prend un exemple là. On parlait de petits jeunes qui prennent âme. Un petit jeune te prend âme sous Duvalier. Ou bien les jeunes qui sortaient de Jérémie, très jeunes, ça, qui te prend âme. Et puis il y a eu aussi, il y a un pilote belle expérience que je parlais dans le livre, un jeune élu politique d'ailleurs. Maintenant, est-ce que prend âme? Parce que il y a une bagaille pour connaître, c'est que l'histoire fait des victimes, il fait des héros tout. Mais il faut connaître qu'il y a des actions posées, il y a des conséquences. Justement. Gon moun, sous ballon soufflette, il faut qu'on attend que. Et sous rate, il y a bon soufflette. Et même là, il prend soufflette là, il va remettre soufflette là tout. Donc, si on cherche ballon soufflette, il y a bon soufflette, ou pas qu'à plaindre. OK? Maintenant, si tu prends les armes contre un pouvoir, il faut qu'on connaisse où échouer. Qui ça capte comme conséquence? OK? Maintenant, les Duvalier, particulièrement à partir de Jean-Claude, vers début années 80, jusqu'à ce qu'on puisse arriver en 86, tu as eu de grandes négociations politiques pour voir comment arriver vers une sortie en douceur. Mais justement, c'est le sens du compromis et de la négociation que nous pas connaissons, nous pas gagnons, qui fait que nous faisons une expérience de dictature qui finit mal, alors que de l'autre côté, ils connaissent la dictature tout, mais ils font une transition démocratique qui n'est pas même gens avec nous. Parce que la dictature, elle facilite en stabilité. Stabilité, ça, en général, depuis pas qu'il y ait trop de vols, etc., vous pouvez venir joindre que gagner une nouvelle génération qui pral succéder et parents yo qui te prend tête pouvoir qui pral gagner l'autre ouverture qui pral gagner l'autre conception de pouvoir qui pral faire que yo même yo diriger avec plus ouverture plus sensibilité et peuple pral commencer éclairer parce que gagne plus éducation etc. Mais nous mêmes c'est différent malgré la dictature on prive les masses de l'éducation. Alors que si on pas éduquer un peuple, comment un peuple est capable de grandir? Depuis Edmond Paul, ça veut dire on est nous dans le 19e siècle, 1800, un intellectuel haïtien dit besoin qui est urgent que nous gagnons dans le pays, c'est éduquer masse. Parce que tout autant de gens n'ont pas éduqué, ils n'ont pas fait bon choix. Ces mêmes gens, tout autant. Artisans, nous, ils n'ont pas éduqué. Ils ont toujours fait de produits artisanaux qui paraffinés. Alors, ce que vous privé de l'autre côté, nous, ils ont fait produits artisanaux tout, mais ouais, artisanal là presque tant qu'un produit industriel. Pour qui ça? C'est l'éducation. L'éducation élève. Donc, plus gros cadeau que dirigeants, élites, ils ont offert à pays ça. Si nous voulons la réalité à changer, c'est éduquer les gens. Parce que c'est la meilleure façon pour grandir. C'est vrai, la réduit chance pour des gens qui sont charlatans. Pour des gens qui n'ont pas un bon projet, arriver dans la tête de pouvoir. Mais même là où même vous arrivez dans la tête de pouvoir parce que vous n'avez pas un projet, ça ne veut pas dire que les gens qui viennent après sont obligés de pas un projet. Donc, si vous pouvez, Antoine Simon, c'est un président que le pays a connu, il n'a pas connu. À peine s'il fait 3 ans sous pouvoir, nèg ça qui pas connu rien, lui réaliser des bagages extraordinaires. Donc c'est pas parce que ou même ou t'es privé d'un ensemble de bagages qui fait ou obligé égoïste et privé l'autre de lui. Au contraire, penser grand, réaliser bagages qui grand, pour malgré ça ou pas gagner ou même ou capable offrir à l'autre. Mais maintenant, si jeune yo, j'en dis là, t'es toujours qu'on implique yo. Donc, si vraiment nous parlons aujourd'hui sur la scène politique, qu'est-ce qui t'a supposé changer dans l'implication, ou bien forme d'implication, qui comme des actions qui concrètes, où tu es capable de dire, jeune, tu es capable de poser pour impliquer d'une autre manière dans la question politique en Haïti? Pour faire politique, d'abord, il faut qu'on soit citoyen. Et un citoyen implique droits et devoirs. Citoyens sont l'autre type de monde que lui. Sont monde qui conscient. Sont monde qui responsable. Sont monde que estimé qui gagne de privilèges que le cas joui parce que lui a même lui à niveau désormais. Maintenant jeune yo doué selon moi-même
commencé un autre type projeté van un autre type de monde dans la société. Je dis toujours que leader yo c'est produit ou encore résultat besoin. Pas proclamer tête nous leader nous-mêmes qui c'est jeunes femmes jeunes garçons. Pas gain folie leader. Un bon leader c'est un monde qui ouais un problème dans communauté au lieu le camper garder li agit, li transforme il. Laisse la communauté a gain confiance dans ou parce que le roi son monde qui utile. Lors devant ou vinn pas devant pour mener au n'importe côté. Lors devant ou devant pour mener au bon côté. Identifier problème nous ouais qui gagne dans communauté nous. Participer, pas parler seulement, agir. Parce qu'en pile fois, nous avons conception que l'en à l'école gagne de bagaille nous pas qu'à faire. Justement, c'est parce qu'on à l'école pour faire parce que c'est le fait qu'on à l'école qu'a faut faire plus bien. Problème yo doit résoudre bien et plus bien. Et c'est monde qui à l'école qui pour résoudre problème fatra. Tout problème qui gagne dans société a, problème qui gagne dans environnement proche ou tant qu'au bol à caillou. C'est pour nous identifier problème et porter solution qui pour faire que nous projeter un autre modèle de citoyen. Un citoyen qui proche communauté, un citoyen capable de résoudre problème, un citoyen qui prêche l'union, l'harmonie au lieu de chita sous division, sous haine. Parce que politique là, elle est facile. Pour un leader vienne là, il dit un tel tête d'un bagage sous oui. Et puis sous base ça, il voulait que li vle prend confiance. Donc nous gen de leadership dans pays a k'ap construit sous tripotaille, k'ap construit sous zin. Nous besoin leadership qui construit sous concret, sous ça qui utile, sous ça qui transformationnel. Nous pas besoin moun k'ap mette nous dos à dos parce que si nous dos à dos, nous pas ka construit rien ensemble. Alors que garder nous bon pays k'ap craser. République Dominicaine partage là nos frontières. Et garder toute gade différence qui gagne entre nous-mêmes avec elle. Yo fait choix pour avancer ensemble alors que nous-mêmes nous fait choix pour nous goumer. L'heure arrivée pour génération qui a monté à comprendre que 6 ans 7 yo plus gros défi c'était renverser système esclavagiste là. Nous-mêmes qui la connia nous devons comprendre que plus gros défi c'est suspendre vivre dans misère et pauvreté. Haïtien mérite bien-être tant que toute l'autre nation. Bien. Pendant qu'on parle de leader, j'en ai comme exemple des leaders qui a cherché important avant yo utile. Mais yo oublié c'est utilité ça qui va le rendre important. Wow. Des monde tout qui ouais intérêt personnel yo dans politique là que yo ouais politique là comme un sacerdoce. Donc maintenant comment pour ouéter parce que là son réalité lié son bagaille vu chaque jour par exemple mon nan dit comme ça ah moi c'est tonton qui allait là bon donc comment pour retirer mentalité ça la caille jeune ça ou saute parler mais qui ça mais comment on doit impliquer yo mais là c'est beaucoup plus loin que ça parce que là on est ça ancré la caille yo connaît pour faire tel bagaille c'est là pour passer pas en question pays yo toujours dit ça pas yo dit pas des patriotes mais des patries poches. Maintenant, si vous dites Abdi que bon action pour proposer, bon changement pour faire, pour changer ça m'Abdi là, c'est qui ça, Idoye? On t'a pas les jeunes, moi-même de propre tête pas d'abord, parce qu'il faut prêcher par l'exemple. D'où je viens, de nulle part. C'est mon maman qui grandit, moi pas de papa. Papa m'là, il est vivant, mais il n'était pas avec moi. Maman passe en pile misère. C'est l'école qui fait me faire effort. Mais l'homme finit l'école. Ce n'est pas de l'argent qui est priorité. Puis gros bagay, premier bagay qui est important que je réalise dans la vie, ce n'est pas payer ou te payer pour ça. C'est volontariat me fait. Je n'ai pas qu'à contrôler la quantité d'organisation, la quantité de monde qui rend service dans la vie. Les gens qui viennent en vie. Service, c'est le volontariat que je rends. Je fais me rencontrer les gens. C'est dans fait volontariat, par exemple, dans la Fondation Félicité, que Baïna Bello a dirigé, que il y a une dame qui est Marie-Laurence Jocelyn Lasseg, qui va le découvrir pendant que je fais une intervention. Je me dis, waouh! Et puis il vient parler avec moi.
Deuxième fois, elle rencontre, nous avons réunion encore, nous faisons intervention, elle campait devant tout le monde, elle dit à partir de jeudi, ou fait partie du cabinet, parce qu'elle était ministre à l'époque. Tout le monde dit waouh. Quand vous faites des choses avec tout vous-même et que personne, pas foutu, qui a osé mettre prix sous lui, c'est des choses qui sont importantes pour réaliser. Fais des choses que quelqu'un bat pour lui. Pas faire bagaille pour mon ouais. Jodia, nous-mêmes qui jeunes, nous sommes capables de faire folie pour nous rouler en belle machine. Parce que nous sommes un jeune dans une zone qui a une machine. Mais bon, je dis, où est la machine qui a mené? Par le fait même que la mode, la passe mode. Justement. Pas courir derrière bagaille qui a la mode. Pas faire n'importe bagaille pour la mode. Parce que ça qui a la mode, là, la passe mode. Construis tête. Prends temps pour tête ou pour vous-même pour construire un monde que moun ka remet, que moun ka apprécier, que moun ka suivre. Ou alors fin moun ça, tout reste bagaille qu'on pas joindre, y a vini. Y a vini naturellement parce que ou prêt pour ça. Pas pressé. Parce que l'on courir avec trop vitesse, ça qu'arrivé que l'on presque arrivé au bouquet. Et pour tomber devant la ligne d'arrivée, pas quitter sa rive. Peut-être, Dakar dit nous tout parce qu'on l'a. Tu as gagné un personnage qui te dit ça devant nous. Il dit, sous route la vie, nous toutes, nous sous route là. Mais nous toutes, nous pas prêts le même côté. Non, justement. Et il te dit, c'est pas parce que on moun déplacé en vent qui fait le pral plus loin passer. Distance qu'auto pralé, il dépend de qui objectif ou gagne. Avant on déplacer, déterminer qui ça qui objectif. Qui objectif ou pour tête, qui objectif ou pour pays. Il y a des moun qui monte camionnette là. C'est puis devant la descente. Justement. Il y a des gens qui montent camionnette la vie. C'est dans le carrefour qui est devant la privée. Mais il y a des gens, c'est dans la station côté le pral chargé pour le retourner dans la privée. Nous avons aimé que nous faisons partie de monde ça. De monde qui a goûté pour rêver, pour arriver jusqu'au bout. Pas de monde qui contente de première destination, de premier côté arrivé. Nous avons besoin d'une génération de jeunes femmes, jeunes garçons haïtiens qui ambitieux. Ou qu'on qui ça ambition procurer? Une plus gros valeur ambition procurer. Parce que ambition c'est énergie. Lorsqu'on a gros ambition, ou un gros rêve pour tête ou, une bagaille que le fait c'est que li ban énergie, so ou vle a la vini naturellement. Donc préparez ou pour gros bagaille. Pour le gros bagaille arriver, peut-être ou pas chaud. M'pa besoin de dire non pour nous battre. Bravo pour tout ce bel conseil, Tayo. Nous sommes fait un petit parler. Nous avons une qualité de conseil et Stanley Banon. Et c'est sûr que nous ne pouvons pas arrêter là. Parce que nous sommes sortis de toujours pour le dire. Pour nous chiter, vous apprendre. Nous d'accord. Mais nous connaissons déjà l'émission. C'est pour questions sans intermédiaire. C'est côté jeune, nous pouvons poser des questions sans que moi-même, je n'ai pas intervenu. Et puis, je fait place à Risnold. Et nous saluons Ruth, nous saluons tout le monde qui est sur le panel là et M. Stanley. Et nous saluons tout pour belle intervention ça. Pendant que parler, c'est comme si c'était John Maxwell qui était chita en face. John Maxwell, c'est un plus grand leader mondial qui formait et plusieurs et milliers de monde à travers le monde. Et que je lis en pile actuellement que et ma femme pile recherche et sous lit. Donc, il y a un paquet de livres, tant que 21 lois de leadership et 5 niveaux et du leadership, etc. Il y a un paquet de bagages qui là et comme si moi, c'est dans le livre-là, mieux là. Donc, je profite de ce jeune, à laisser découvrir qui est ce qui John Maxwell, il n'y a pas de regret. Donc, question que je quelle forme de gouvernance vous pensez que nous avons gagné en Haïti pour la situation et nous avons gagné, je ne dis pas, capable de changer? Que ce soit
sur plan politique et économique, social, etc. Merci en pile pour question parce que question là c'est une opportunité pour me dire en bagaille à communauté haïtienne pendant m'a passé par nous. Moi réfléchis en pile sur politique. Je ne réfléchis pas sur politique 24 sur 24 parce que faut me dormir et faut me consacrer temps avec madame petite. Mais je réfléchis sur politique 3 fois 8, 24 et bien 16 sur 24. Ça veut dire que je réfléchis sur la politique en pile. Et je dis que pour nous sortir d'un cycle infernal de turbulence, de crise politique, il faut que nous arrivions à réfléchir à un mode de gouvernance qui est capable de faciliter la stabilité. Je pense que c'est ça le sens de ta question. Et sous point ça, vous connaissez ça moi, je ne finis pas remarquer que plus fort mon cap goumen en politique en Haïti, yo goumen c'est parce que yo pas gagné non mais parce que la politique c'est la richesse nationale, la politique c'est le budget du pays. Maintenant yo goumen parce que budget a un seul côté, budget a les nommés exécutifs là. Tu as gagné l'élection aux États-Unis en 2016, pas vrai? Nous songeons. Élection côté que Donald Trump est devenu président. Démocrates ont été déçus. Et en pile monde dans le monde, ils ont été déçus parce que ne pas voir comment on est comme ça, tu as fait devenir président. Mais les républicains sont arrivés dans tête Maison Blanche. États-Unis retournent dans la stabilité. Pour qui ça, États-Unis retournent dans la stabilité? C'est parce que même le où gagne Maison Blanche, mais ce n'est pas tout pays qui gagne. Reste côté, il y a une forme de gouvernance par eux, comme État fédéral, fédéré, ou ensemble d'États qui fédéré. Et États-Unis, après 2016, démocrates, il y a 24 États qui étaient pour eux, 26 étaient pour les républicains. Parmi les États qui étaient pour les démocrates, il y a New York. Parmi les États qui étaient pour les démocrates, il y a Californie. Là, on a parlé de l'État qui a pris le corps, qui a brassé la donne. Est-ce qu'on pense que vous avez écrasé les États-Unis rien que parce que vous avez qui vivait dans la tête Maison Blanche, alors que nous avons deux États qui sont aussi importants concernant nous? Ça veut dire qu'au-delà de gros mots sur richesse là, qui sont dans mon monde, mais il y a de l'autre partie importante qui est dans la richesse nationale là, que de l'autre monde capable de partager. En République dominicaine aussi, ils ont résolu ce problème à travers le budget du pays. Ou bien entre 7 et 10% budget République dominicaine qui a joint région. Li investi dans région. Leader région disposé de ça pour faire. Si dans le pays, le monde magistrat, ou te mettre magistrat capital là, ou pas qu'à faire rien si président en pas en mou, pays a toujours une crise. Si Jacques Mel, aussi important que l'important culturellement, si magistrat, il n'est pas un ami président, il n'est pas qu'à faire un bon carnaval, il n'est pas qu'à faire rien. Si on est naïf, malgré l'important sur le plan historique, si le monde qui est magistrat, il n'est pas un ami gouvernement, s'il n'est pas un ami gouvernement, il n'est pas qu'à faire rien, il n'a toujours un pays, c'est crise qui a mené. Seul des mondes exceptionnels, parce que eux-mêmes ont une capacité, un génie extraordinaire à la caille, qui fait que malgré l'impossibilité pour eux faire, ils arrivent à faire quand même. D'un coup, Jean Wilson, jeudi, essaye de faire deux, trois petits bagages dans Delma. Mais il n'est pas évident que tout magistrat a fait comme ça. Maintenant, il faut vraiment arriver à un modèle de gouvernance où la richesse du pays est distribuée. Oui! Moun ki président, c'est tout pays qui a été voté. Il faut gagner plus part dans le budget pour faire plus de bagaille. Mais il faut que reste moun yo tout qui a moun qui a été voté. Il faut gagner part yo tout dans le budget. La décentralisation. Il faut démocratiser le budget de la République. Bien. C'est ça la source de la crise. Et c'est là aussi qu'il faut résoudre la crise. Deuxième question, vous finit. Ok, monsieur Stanley. Pen, ok, me félicite pour la façon où vous présentez le sujet. Mais question, il y a deux voleurs.
Et premièrement, on t'a parlé de éducation. Est-ce que pas grand niveau d'études au monde fait pour faire et politique en Haïti? Et deuxièmement, qui conseille ou capable bail en président qui conseille ou t'es capable porter pour libre à cause de connait situation en pays comment lié qui conseille ou t'es capable bailler s'il vous plaît. De qui président? Tu veux parler de l'actuel président pour me balancer un conseil? N'importe président qui a monté dans pays. N'importe président, c'est pas actuel. Bien monde qui a fini gouverner. Yeah. OK. D'abord on t'a dit que pour sous question éducation, pas quelqu'un niveau d'exigence yo fait pour d'éducation pour monde gagner pour ta venir dirigeant ou occuper n'importe qui fonction politique. D'ailleurs, il pas table démocratique s'il t'a comme ça. Parce que monde qui parle l'école là, il pas responsable que le parle l'école. Parce que tu dois gagner l'école pour l'aller. Si pas gagner l'école pour l'aller, il parle l'école ou pas culpabiliser parce que il pas t'aller l'école. Donc il faut résoudre le problème. C'est le où mettre l'école pour tout le monde. Elle est obligatoire pour y aller à l'école. Que quand il y a un niveau éducation moun yo a élevé, ou pas demander yo pour yo pas voter moun qui pas éduqué parce que quand il y a yo vinn suffisamment éduqué pour yo pas prendre moun qui pas éduqué pour vinn diriger. Justement. Donc résoudre problème éducation, hein, c'est dans éduquer moun yo pour faire pi bon choix. Justement. Ça, c'est la première réponse. Mm-hmm. Maintenant, un conseil pour un président, n'importe qui président. N'importe qui président, moi-même, ça m'a conseillé. Si vous faites privé sous pouvoir, chita, avec tout le monde. Jouez un compromis pour nous avancer pour nous ensemble. Yep. Parce que ou capable de plaider courir en Haïti. Mais quand on arrive, il y a un camp pour quand même. Ça, c'est sûr. Parce que le système n'a jamais organisé, il génère crise. Crise là vient un élément constitutif de système politique haïtien. Si on bagaille qui est récurrent, c'est la crise. C'est l'essence lui-même. OK? Maintenant, pour nous sortir dans ce cycle, ça, il faut que nous chita pour nous poser problème pays et entendre sur qui côté nous pour aller à pays. Moi, j'ai des pistes. Gen de côté, il y aurait ça dialogue national. Gen côté, il y aurait ça conférence nationale. Quel que soit nom ou balia, pour un pays avancé, pour nous pas dos à dos, na boumen, chirépit, faut nous entendre nous sur qui côté nous voulons aller. Juste imaginez que ou mon équipe football. Si moun yo pa t'entraîner ensemble. Si pa gen coach, sou pa apprendre jouer yo, konnen ki objectif yo gen en commun, pa étonno que li ka prend boule là, il fait gol nan propre camp. Yeah, parce que pa même konnen si c'est nan camp l'a fait gol. Pour nous suspendre bay tête nous gol. Sous terrain politique là en Haïti, faut que nous entraîner. Yeah. Faut que nous connait qui objectif nous gagner ensemble. Tout autant ça, yo pas clair comme élément. Nous fait carré prend goal et c'est pas même équipe en face là qui va prendre goal. C'est nous encore qui va tête nous goal. En tout cas, merci, merci beaucoup à monsieur Penn, merci à Risnol depuis Emmanuela qui t'a participé dans Questions sans intermédiaire. Je vais demander pour nous applaudir tellement. Ouais. Merci infiniment. C'est là nous campons dans l'émission. Hein. Donc, c'était une très belle émission. Donc, moi, je me dis, une fois que une personnalité vient là, il n'est pas là, je n'ai pas au conseil, je me sens bien édifié, je me toujours dit, mais espérez, ce n'est pas la dernière fois. Nous d'accord, hein? Ce n'est pas la dernière fois. Parce que c'est vrai, nous avons un sujet bien spécifique, même si nous avons un pilote de barrière, nous avons parlé encore. Peut-être sous même lignée, ça, pour permettre aux jeunes de comprendre la politique, là, Kayo, toujours ensemble avec M. Penn. Nous d'accord? Yes. En tout cas, merci tout le monde. À la prochaine. Moi, bon rendez-vous pour une autre émission, puis belle encore, sur Télé Pacifique. Bye bye.